Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne QC Bogamer. Comme vous pouvez voir à votre écran, aujourd'hui nous jouons à Battlefield 1. Ça faisait un petit bout, j'ai eu beaucoup de requests pour y jouer. À vrai dire, je n'ai pas eu une. Parce qu'il n'y a personne qui commente mes vidéos. Oh. Ah. Ouais, c'est triste, hein? Et non, je n'arrive pas. Bon! Bah là, comme vous pouvez voir, c'est comme j'ai déjà, on est sur Battlefield. Ça faisait à peu près 2-3 semaines, j'avais pas vraiment joué puis que j'avais pas fait de vidéo dessus, je pense. Sur Battlefield. Puis que là, j'ai fait une petite vidéo sur Battlefield pour... Ben, j'avais le goût de jouer premièrement ce matin. Puis deuxièmement, ça fait une petite diversification sur mes vidéos. Cette shot-là, je sais pas ce qui se passait dans ma tête, mais je pensais être caché en arrière du poteau. Mais non. Là, je gosse dans mes settings parce que j'ai comme commencé à jouer, si vous regardez mes autres vidéos, à COD. Puis je trouve que ma sensibilité est plus élevée sur COD. Fait que quand j'ai retourné sur Battlefield, c'était assez de la merde. C'est la dernière vidéo sur Battlefield. On remonte à 2 semaines. Ben le 11 novembre. Ok, un petit peu plus que 2 semaines, hein. Au début, je jouais avec la Tomatico, puis lui, je comprends pas comment il fait pour pas me voir. J'ai eu la chance. Mais plus tard, je vais jouer pour la première fois avec un shotgun. Mais fait que j'ai pris, je pense que j'ai pris le premier de la liste d'assaut. En tout cas, on va voir, là, je vais le créer. C'est ça, fait que... je fais une assez popé game, surtout que cette map là, je crois que les shotguns c'est vraiment pas pire. Fait ça l'a été. Il y a des belles petites séquences aussi que j'ai bien aimé. Bien aimé là, non, pas long, c'est ça. Non, pas long, je change, je meurs, je pense. Le gars me revive. Je meurs, il me revive. Là, j'ai vu. At this moment, in you, you fucked up. Ouais. Fait que j'ai accéléré. Mais le programme de. Le programme ou je sais pas quoi fait que quand je mets. Tu peux accélérer x2 ou x4, x8. Là je voulais mettre x4 pour que ça allait plus vite, mais ça buguait. Fait que j'ai juste mis x2, là, c'est pas si pire. Là. Vous voyez un peu ce que j'ai pris. Je checkais les shotguns, je me suis dit que je vais acheter un shotgun. Puis là, j'ai vu que le premier avait plus de dommages. Fait que j'ai fait fuck it. J'essaie lui. Puis ça a bien fonctionné. Vous allez voir là, j'ai fait une assez jolie partie. Là, désolé, je pense, mais c'est que je pense sur C. Là, je suis le Chris de 4, un shotgun, tu peux pogner le monde à l'autre bout du monde. C'est ce que ça a donné, là, c'est que tu fais avec un pistol à l'autre bout du monde. Mais... ça n'a pas fonctionné. Man. Ouais. Ça, c'est assez génial là. Si vous regardez mes autres vidéos, j'ai pas mal de vidéos sur Call of Duty. Si on remonte, la première vidéo de Code, j'ai une vidéo sur Code de Infinite Warfare, 15 minutes de la campagne. Je pense que c'est le début de la campagne. Après ça, j'ai une petite vidéo de 14 minutes. C'est comme une mission dans l'espace. C'est dans le vaisseau de. Un vaisseau. Genre. Après ça, j'en ai un autre, là, une semaine, c'est... je l'ai appelé You Will Know This, parce que je regarde souvent les vlogs d'un gars qui s'appelle Logan Paul, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un Viner, ben, un ancien Viner, parce que Vine is dead. Fait que là, à chaque fois, il dit you will know this vlog, dude. This live. En tout cas, c'est ça, là, je l'ai dans un cave. Mais pour un ça regarde, c'est drôle. Logan, il est drôle. Sinon, tu regardes cette vidéo-là, c'est... je pense que j'ai fait une partie de... 20, 27, 5. Quelque chose du genre.
je crois. Puis je fais la kill cam à la fin, très intéressant. Ouais, je fais 25-5 sans kill confirm. Je fais 16 confirm. Ça vaut la peine d'aller voir. Après ça, j'ai... si ça t'intéresse, j'ai deux vidéos sur le nouveau jeu Steep. Steep, le jeu de snow ski. T'as du genre de parachute que tu peux. Ben, tu parachutes, mais tu contrôles sur le long des montagnes pis tout. T'as du wingsuit. Ski snow, bien sûr. Pis là, c'est ça. C'est une petite présentation du jeu là, que je fais vite fait là, en 8 minutes. On voit les graphiques puis tout, c'est sur PC bien sûr. Parce que ce jeu-là est écœurant sur PC. Puis sinon j'en ai un autre sur ce jeu-là, Steep, ça dure 1 minute 2. Le monde sont plus intéressés des petites vidéos. 1 minute 2 c'est parfait. Puis je l'ai appelé Landing Like a Boss. Vraiment, vous allez voir. Vous allez voir ici. C'est assez... Boss! C'est assez génial. Sinon, j'en ai un autre sur Call of Duty Infinite Warfare Zombie. Vous allez voir ça. Sinon, la, elle que j'ai faite le 3 jours, c'est sur Modern Warfare Remastered. Incroyable! C'est ça le nom de la vidéo, incroyable. Est-ce que c'est un autre belle petite party, je crois bien. C'est assez génial. Quand je fais... je fais encore autre cam, celle-là. Combien? J'ai pas vu. J'étais en train de regarder la vidéo en même temps, je me rappelle pas tout de mes scores. 24-8. Pas mauvais. Pas mauvais. Mais bon, je vous invite à aller voir ça, vraiment. C'est vraiment nice. Puis là, asti, le jeu. Non, mercredi. Mercredi. J'ai reçu des belles écouteurs Sony. C'est des Sony, quoi. MDR, bon, de rire. Hein. Mais MDR. XB950BT. C'est un casque stéréo sans fil, extra bass, Bluetooth. Ça pose au bois sans fil. Bluetooth. Puis ça sonne bien en tabarnak. Fait qu'il est en rabais au Black Friday à 125 au lieu de 250, je crois. C'est ça, puis je me suis commandé aussi, Captain America Civil War, mais le Steelbook. Je vous aurais bien monté à l'écran. Alors, le montage, de quoi qu'il a l'air, mais. Je n'ai pas de problème de montage sur mon ordinateur. Je l'ai seulement sur la PlayStation. Je pense pas que je peux l'acheter. Fait que là, comme vous avez pu voir depuis que j'ai changé pour la shotgun, j'ai oublié de parler un peu du gameplay. Ben, je crois jusqu'à date, j'ai oublié, j'ai pas checké en parlant. J'ai fait un joli gameplay. Je cliquais là, c'est comme un défoncé pour pouvoir identifier la personne, puis ça marche pas. Bon, je crois que j'ai fait un beau petit gameplay potable. Pendant le silence, j'ai regardé ce qui se passait. Mais. Je pense que dans la petite map d'en-même, je vais sûrement l'utiliser plus souvent. Lui, j'ai perdu sa trace après. Je comprends pas après deux coups de. J'ai pas vu ici. J'aurais fallu. J'ai perdu sa trace, mais après ça, je pense que là, j'ai fait une esti de séquence. Je me rappelle bien, il me semble que c'est là. Deux personnes. Celui-là. Tac. Ouais, je pense qu'il est là. Tac. Après ça, il y en a un autre. Si j'avais pas passé de vue. Star, double kill, one shot.
Après ça, il y en a un autre là, mais je crois que lui le tue. Non, non, je le tuerai pas demain. Après ça, un autre demain. Puis je pense qu'après ça, plus loin, j'en refais 2-3 autres. Mais bon, le shotgun là, là, personnellement, dans des lieux. Ben, il a l'air de... il tire de loin, en fait. Mais c'est vraiment pas pire. Je viens de remarquer aussi que le jeu Steep complet est sorti aujourd'hui. On essaie de l'avoir. Pas tout de suite. Jamais je regardais. Je regarde un gars qui s'appelle Lyric sur Twitch. Un des plus populaires sur Twitch. 1,5 million de followers sur Twitch. C'est énorme sur Twitch, on s'entend. Fait que... il est rendu assez impressionnant. Il est drôle. Peu importe le jeu qu'il va jouer, ce gars-là, le monde, ils vont le regarder parce qu'il est drôle. Objective Duff. Oh my god. C'est bien. Ok. Patao. Cache-lac. Je comprends pas comment j'ai pas fait pour tuer l'autre, j'ai collé ma sang dessus, mais bon. Collé! J'aurais pas avoir plein de kills. En plus, c'est Noël qui arrive dans pas long, tout le monde. On est le 2 décembre. We have taken objective Edward. Le 2. C'est ça. Là, comment avoir un tatou pour Noël de la part de ma copine. Pour un jour éventuellement finir la manche. C'est sûr que vous le voyez pas dans mes vidéos. Ah non, c'est un allié. C'est le bâtard. J'ai remarqué du point de l'œil et j'ai vu un bâtard qui me crie les pouces. Oh non, celle-là, ça, ça m'a fait chier. Tout le monde était couché. Il y en avait deux qui m'avaient pas vu. Le troisième m'a vu me tuer. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez juste voir sur la chaîne, je pense que ma page Facebook, non, la page Facebook QC Bro Gamers, mais vous devriez voir mon nom, Gabagrini. On va mon nom quelque part. 3, 4, 5 têtes. J'aimerais éventuellement finir ma manche. Une manche, faire une manche. J'ai eu la chance en estime. Un HP une fois. J'ai survécu avec un HP. Wow. Ça.
Ah, l'autre, là, j'ai fait chier, j'ai plus de balle. Hostie. Tard, man. Ouais, pis là, mon prochain tatou, ça serait inspiré d'un masque à gaz. We have taken objective butter. Pis, dans les reflets des gens de... vitre, lunettes là, sur le masque, ça serait genre le reflet du monde quand on va écraser là, de genre mettons des bâtiments avec quelqu'un, tout brûle, quand on peut dire que si on continue quelque chose de genre, bah, c'est pas vrai qu'on va pas dire, qu'on va s'auto-détruire. Est rendu à la fin du monde, même rendu là, il y a du monde. C'est comme un peu, mettons, par exemple, le plus gros exemple que j'ai, c'est The Walking Dead. Là. Bon, ça, je parle pas de zombies, là. Okay? Je parle de la fin du monde, blablabla. Okay? Là, mettons, le monde, on va avoir besoin de l'aide de tout le monde. On va passer dans The Walking Dead, on va s'entretuer au lieu de céder. C'est ça qui va arriver. Je te dis pas demain, ça va être ça. We have lost objective apples. On concerne une mentalité de la société qu'on a aujourd'hui. Hein. Argent, 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 pouvoir. C'est ça que c'est. We have lost objective Charlie. On va se ramasser. Comme, je sais pas quel film comparer. Il y a beaucoup de films de ça, j'en ai pas un en tête. Genre que c'est la fin du monde là, parce que. Sinon, il y a une toune, c'est ça, une toune qui m'a vraiment inspiré à faire. C'est une autre belle séquence, je pense. Ouais. Ouais. Le nom du groupe, c'est Calm the Downtown. C'est, ben, Calm D-D-T-H-E de Town, c'est Town, c'est D-A-W-N. Je sais pas trop comment ça se prononce. Puis le nom de la tune, c'est World Collide. Genre le monde détruit. C'est vraiment la vidéo. C'est un gars qui se promène, puis il y a un masque à gauche, justement, demain. Puis s'il enlève le masque, mais il peut plus, là, il se ramasse, là, il est tout seul dans le fond, puis à un moment donné, tu vois une photo à la période disparant, blanc, et que ses proches ont disparu. Si vous aimez le metalcore, je vous conseille la toune. Calm the Down World Collide. C'est oupi comme shotgun. J'en reviens pas. Je vais prendre 50 kills. On est bientôt à la fin. Je pense que. On va voir dans le pardon là, regarde. C'est moins de 10 points. Il reste 10 points de mec. Ça, je courais partout. J'essaie de rush. J'ai peut-être pas un autre kill. Là. Puis j'allais rusher le bloc. Pouf, fini. On a gagné. J'ai fait 47-12. J'ai fini 12e parce que je jouais pas trop objectif dans cette game-là. Parce que je lassais vraiment le shotgun à sa pleine capacité. Fait que je rushais les kills. Puis j'ai pogné niveau 24 dans cette partie-là. Puis tout. Un petit 11 000 XP. Not bad. Que je devais être rendu à genre 1.70 de ratio, si je me rappelle bien. C'est ça, moi j'ai tout le temps ce bug-là. Je sais pas s'il y en a qui l'ont là, c'est comme le décor apparaît pas, mais tu vois juste les écritures là. Puis je vois même pas si j'avais gagné un battle pack. Ah, oh, il a l'air apparaître, mais j'ai skippé là. Mais bon. Fait que c'est. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous. Puis c'est ça. Fait que je vous dis ciao, à la prochaine. Sûrement dans une vidéo de code.